El Hadj Moussa Fodoué, c'est le nom du nouveau lawan du quartier Maroré à Garoua. Le chef traditionnel de troisième degré a été intronisé ce 22 mai 2021 par le nouveau lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidini. Le nouveau monarque de Garoua a prescrit impartialité au nouveau lawan dans le traitement des affaires portées à sa connaissance en s'appuyant sur les préceptes de l'islam. Le lamido de Garoua a réitéré au nouveau lawan, comme partout ailleurs où il est passé, son concept de Garoua pour tous, auquel il tient beaucoup. Chaque chef doit promouvoir la culture, la religion et le vivre ensemble. Il a recommandé la collaboration à tous et à tous les niveaux, celle-ci pouvant les aider à bien accomplir les missions qui sont désormais les leurs. Un discours qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Merci à la majesté de l'amitié Ibrahima avec tout ce qui m'a fait comme honneur. Depuis 21 ans, nous sommes très contents puisque l'amido, il m'a dit lui-même qu'il va, c'est une l'amido de rassemblement. Tout ce qui est passé, on va oublier. Maintenant, on prend les nouvelles heures. On travaille ensemble avec lui, avec tout le monde. Il a pris une décision de rassembler tous les peuples de Garoua pour tous les domaines. Les domaines de tradition, les pouvoirs traditionnels, les pouvoirs des économies, les pouvoirs d'agriculture, tous les domaines, ce qu'ils disent. Maintenant, moi, je suis très content avec le trouvant qu'il m'a fait, avec les honneurs qu'il m'a fait, et tout pour moi, avec nos familles. El Hadj Moussa Fodoué promet de faire tout son possible, notamment sur le plan de l'insécurité. Il entend plaider en faveur de l'éclairage public partout et pour tous quand on sait que les coupures intempestives de l'énergie électrique augmentent le phénomène d'insécurité. À plus de 60 ans bien sonnés, El Hadj Moussa Fodoué prend les commandes de l'une des plus grandes chefferies de troisième degré du Lamida de Garoua. Le Lawana de Maroré s'étend sur une superficie de 15 km². Il est limité au nord par les quartiers Baz et Ngalbidje, au sud par les quartiers Rumdeadja, à l'ouest par Lindé, enfin à l'est par le quartier Pumpumré. Le ressort territorial de Maroré couvre environ une dizaine de quartiers. En tant que collaborateur et auxiliaire de l'administration sous la direction du sous-préfet de Garoua deuxième, le Lawan de Maroré est chargé entre autres de transmettre à la population les directives du gouvernement et s'assurer de son exécution, de concourir au maintien de l'ordre public, au développement social et culturel, de procéder à des arbitrages et conciliations entre les populations sous réserve du lamido au plan traditionnel et le sous-préfet au plan administratif. Il est aussi chargé de la promotion des valeurs traditionnelles des peuples qu'il dirige. C'est triomphalement qu'il a été accueilli par la population à son domicile avec son nouveau turban sur la tête. Cela faisait de nombreuses années qu'il n'avait plus porté cette couronne consacrée.